Salut à tous, Airfoot, les touristes, c'est Victor. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo où nous allons parler d'un sujet qu'on entend parler souvent et qui peut être tabou pour certaines personnes. C'est le masque. Tout d'abord, c'est quoi un masque? Le masque est destiné à dissimuler, représenter ou imiter un visage. Il assure de nombreuses fonctions variables à l'époque et à son lieu. Je pense que vous reconnaissez ce masque ou vous l'avez vu quelque part. Une des premières fois que les masques protecteurs ont été utilisés, c'est durant la peste noire. Les médecins se faisaient faire des masques à bec d'oiseau, pas pour se déguiser. C'était pour mettre des plantes médicinales qui sont supposées tuer les bactéries. Mais qui a été l'inventeur des masques protecteurs? C'est l'ingénieur français Charles Urbain Bricogne en 1858. Dans notre société occidentale, le port du masque ne fait pas des heureux. Tandis qu'en Asie, le port du masque est tout à fait banal. Mais pourquoi? La première fois que les Asiatiques ont utilisé les masques protecteurs, ça a été en Chine, lors de la peste mandchoue en 1910. Le masque est devenu populaire dans l'Est de l'Asie. Le Japon a commencé à porter des masques protecteurs suite à la grippe espagnole. Par la suite, après des campagnes publicitaires et l'appui de l'autorité pour le port du masque, c'est devenu populaire. En conclusion, les Occidentaux ne veulent pas porter un masque parce que ce n'est pas une habitude sociale de couvrir son visage. Les gens n'ont pas de masque, donc ils ont décidé, pendant le confinement, de créer leur propre masque. Regardez. Le masque soutien-gorge. Le distributeur d'eau ambulant. Le masque à sac de poubelle. Le masque suicidaire. Le masque de plongée. Le masque en couche de bébé. Le masque de laitue. Le masque préféré des policiers. Voici les différentes façons de porter un masque de façon bizarre. Les personnes qui mettent le masque en dessous de leur nez. Le masque sur leur tête. Les personnes qui mettent le masque sur leur menton. Les masques sont une façon de nous protéger d'un virus. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas porter le masque par peur de perdre leur virilité et leur beauté. Les masques sont une façon de nous protéger d'un virus. Les designers de marques de voitures tentent généralement de donner une personnalité à leur voiture. Bien, ils ont eu la même idée, mais par rapport au masque. Regardez. Bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez maintenant mieux apprécier de porter un masque. Si oui, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager cette vidéo avec vos amis ou si vous n'en avez pas, vous pouvez le partager avec votre entourage. Le plus important, c'est de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo. Écrivez-moi en commentaire si vous avez des idées de sujets de vidéo que vous voulez que je fasse. Sinon, portez un masque. Portez-vous bien. On se revoit dans une prochaine vidéo. C'était Victor. Ciao. Thank you.